me suis dit, pour moi, c'était, ça devait se faire, c'était inespéré. Un cadeau, quoi. Je peux pas dire ça autrement, quoi. C'était incroyable. J'avais une idée qu'on serait les 8 sur ce bateau et qu'on n'aimerait pas en sortir et qu'on aimerait rester les 8 ensemble. Mais ce n'est pas la réalité. La vérité, c'est qu'il va y avoir du monde qui va nous accueillir, qui sera là et ce sera très beau. Moi, je pense que ça va être une bonne leçon d'humilité et puis une sacrée expérience de vie, je pense, qui va être riche pour nous et puis aussi pour peut-être pour d'autres personnes et puis pour d'autres expériences, j'espère, en tout cas, qui déboucheront de cette transat. Ah, alors j'ai de la peine à me projeter à l'arrivée. Quand on me pose la question, j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs scénarios. Forcément, la joie d'arriver de l'autre côté quand on voit la Terre pour la première fois en 2-3 semaines. Et puis, je pense qu'il y aura le moment de blues, de se dire, ben voilà, l'aventure est finie. Et puis, il peut aussi y avoir le scénario, ah ben, je suis contente de voir la Terre. Je sais pas du tout. Il faudra voir quand on arrive comment on le sentira, mais ce sera de toute façon un moment fort. Ce qui va être beau, c'est que je sais qu'on aura un comité d'accueil. Il y a plusieurs personnes, plusieurs amis, des conjoints qui vont venir nous attendre. Ça, c'est magnifique. Je pense que je serai contente de retrouver mon mari, quand même, après 3 semaines de séparation. Et je pense que ça va nous souder pour la vie, ce projet. Je pense que ça va nous souder pour la vie.